Le nouvel espace du Naturalium est une exposition permanente du Muséum de Besançon et qui sera véritablement maintenant, à partir d'aujourd'hui, la porte d'entrée du Muséum, puisque vraiment il aborde un sujet, une thématique globale, essentielle pour les établissements de ce type, qui est la biodiversité. La question de la biodiversité sur le plan scientifique, puisque c'est un mot maintenant de plus en plus utilisé. C'est une exposition qui met également en valeur l'ensemble de ses collections, mais différemment de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc l'exposition se découpe en 6 chapitres, si vous voulez, comme un livre, qui aborde à la fois la biodiversité au sens large, qu'est-ce que ça sous-entend aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend finalement par organisation sur le plan scientifique des espèces et surtout aussi leur phylum, c'est-à-dire la manière dont les choses sont classées les unes par rapport aux autres, et est-ce que tout est lié? En partie oui, en partie non, mais c'est l'objet de l'exposition qui l'explique. L'histoire, comment l'homme est arrivé à avoir finalement à avancer sur cette idée et sur cette vision finalement de l'évolution du vivant sur cette planète. On parle des moteurs. Donc moteur de la biodiversité, donc on ne peut pas tous les aborder, mais on aborde quelques-uns essentiels, la dérive génétique, la sélection sexuelle, la sélection naturelle. C'est aussi le propre de la vie, c'est d'évoluer en permanence et de s'adapter en permanence. Ça c'est très 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 important à comprendre. Une approche écosystémique, c'est-à-dire l'importance des écosystèmes entre eux, l'importance de l'équilibre et de la fragilité des écosystèmes, pourquoi un écosystème peut s'écrouler très rapidement et porter préjudice finalement à tous les êtres vivants qui s'y trouve. Enfin, une cinquième salle sur les menaces de plus en plus importantes sur la biodiversité et dont l'homme est en grande partie responsable. Quelles sont les actions possibles? Les actions sont déjà en cours et quelles sont finalement, pour être un citoyen responsable, de quelle manière on peut interagir, souvent de façon très modeste, hein, sans grands moyens, pour aller dans le sens de l'amélioration de la préservation de la biodiversité qui est essentielle parce que finalement, au bout du compte, préserver la biodiversité, c'est préserver également l'avenir de l'homme au sens large. Enfin, dernière salle d'exposition qui sert un peu de conclusion à cet ensemble, une mise en perspective à l'échelle de l'histoire de la planète. L'histoire du vivant est une histoire de plusieurs millions d'années, de plusieurs dizaines, centaines de millions d'années, et qui a connu plusieurs soubresauts, plusieurs disparitions de masse, donc avec des crises biologiques majeures. C'est une expo d'initiation aussi, hein, puisqu'on s'est vraiment tourné vers le public des 7 à 77 ans. Donc tous les jeunes intéressés par cette thématique. Leur poser vraiment la question et de les informer, de savoir si est-ce qu'on va vers une sixième crise majeure de disparition de masse. Mais là, chose nouvelle, c'est l'action liée à une espèce qui vit sur la Terre et qui est l'homme, tout simplement, et qui peut tout à fait créer ce nouveau phénomène. L'objectif, c'est que cette exposition soit finalement un point relais permanent sur l'ensemble des espaces animaliers. Cette exposition n'est pas seule, elle comprend également 4 modules qui sont externes à cette exposition, qui se trouvent dans les espaces animaliers.